Alors pourquoi je voterai pour Rebecca Harms? Eh ben, d'abord parce que c'est une super nana qui allie les actes à la parole. Dès le lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, Rebecca est en Ukraine pour se renseigner, pour voir où en est la population. 20 ans plus tard, elle est toujours là à aller en Ukraine, encore dernièrement. Elle y est allée pour dire son désaccord avec la corruption, pour se renseigner toujours sur l'état de santé de la population. Elle m'a aidé, je suis cinéaste, elle m'a aidé à faire plusieurs films sur le nucléaire, dont Welcome to Fukushima et Tchernobyl Forever. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, j'hésite pas, quoi, je vote pour elle. Puis c'est quelqu'un de très humain, voilà. Je l'aime bien, voilà, je t'aime Rebecca.